J'ai demandé à une spécialiste du métalangage, Anne Bounex, d'analyser votre regard. Le métalangage ? Oui, elle, c'est une clinicienne. Et depuis un an et demi, elle s'est prêtée à un petit jeu. C'est d'analyser le regard de nos invités. Il y a eu Aïssa Maïga, Mathilde Amé, Bruno Podalides, Fred Cavaillé. Vous voulez savoir ce qu'elle pense de votre regard ? Oh, ouais. Ce regard, c'est deux billes sombres avec des iris qui lancent des flashs aiguisés. Des billes de terre, pas des agates de verre aux mille nuances charmeuses. Non, non, des billes de terre, celles qui font des trous au fond des poches. Billes de terroir même, charriant dans leur rondeur honnête de longues histoires enfouies là-bas depuis l'enfance et même avant l'enfance. Au fond de ses yeux, des forces telluriques peuvent faire bouger la tectonique des sentiments sans crier gare. C'est là, dans ce tréfonds, que bouillonnent des élans de douceur et des colères viriles, émotions fortes, véritables gorgones du temple de l'intime. Ce regard est attentif au monde et au chahut des hommes. Mais en revanche, il ne se laisse pas saisir facilement. On n'est pas dans le genre racolage. Ses pupilles s'immobilisent et font le guet dans le noir. Comme Léo Ferré, plissait les yeux jusqu'à plus voir dès qu'il s'approchait du vrai, qu'on appelle poésie. C'est dans le noir qu'apparaît la lumière céleste. Ce regard va au réel comme le marin va à la mer. Regard d'homme qui a le goût des embruns salés, des tempêtes iodées, mais aussi, en miroir, le goût pour le silence sacré des nuits de pleine lune. Leurs iris ne flamboient pas. Ça minote pas dans ce regard. On repérerait presque une réserve dans vos yeux, Bernie Bonvoisin. Une réserve ou une blessure de petite enfance et une humilité. Humilité d'un homme qui connaît la vie et l'errance des hommes. Dans ce regard qui bat comme un cœur sauvage, on voit tout aussi bien des coulées de tendresse et des colères sardoniques. Ce ne sera jamais un regard de panurge. Il se sent mieux loin des troupeaux, dans les sentiers non battus. Oh, prêt à consommer, il préfère l'ipséfactum, mettre la main à la pâte, s'ancrer dans la terre, créer à main nue. Quand ses pupilles se dilatent, observent et captent, elles nous émeuvent vivement. Tant leur lumière profane sacralise le simple. Il y a de la fraternité dans ce regard, mais une fraternité exigeante. Il y a aussi un rien de désabusé, comme une épice qui relève le goût. Et on pense à la phrase de Cioran. J'ai perdu au contact des hommes toute la fraîcheur de mes névroses. Ces deux billes de terre, vos yeux, respirent fort. Elles inspirent le beau et expirent le vulgaire. C'est ainsi qu'elle regarde, fouille, scrute et triture la vie sur des chemins de contrebandiers, cherchant, comme d'autres, leur panthère blanche, qui pourrait pourquoi pas s'appeler l'amour, si on joue aux billes. Je vous mets à l'aise, Bernie. C'est très rare que les invités réagissent à brûle pour point au portrait de leur regard, mais je voulais au moins vous l'offrir. Oui, c'est très... Je ne sais pas comment font les gens procèdent à voir toutes ces choses dans deux. Hein. Et vous, comment vous faites pour capter la vie en 3 minutes? Je ne sais pas, on a peut-être tous à notre manière un secret, non? Je ne sais pas, ou de parfois, il y a aussi tout ce qui nous échappe hein, dans tout ça quand même. Et là, c'est. Enfin, je veux dire. Ça, les gorgones et tous ces trucs-là, c'est des choses que je ne maîtrise pas.